Eh bien, salut tout le monde, c'est Mesh, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, les amis, je pète la forme, mais comme vous pouvez l'entendre, je dois sûrement avoir la voix légèrement cassée parce que je suis tombé malade. J'ai la gorge qui gratte, c'est assez énervant, assez frustrant. Mais bon, c'est pas grave, on va faire la vidéo comme d'habitude avec nos poulets, nos cochons et puis notre île. Je voulais vous souhaiter à tous une bonne rentrée parce que là, plus ou moins, on est donc du coup logiquement le vendredi 2. Vous avez plus ou moins tous repris les cours, donc du coup voilà, je voulais vous souhaiter une bonne rentrée. Courage, la prochaine vacance c'est dans 8 semaines. 8 semaines, les gens, tenez bon, tenez bon. Bon, alors c'est bon, aujourd'hui on est lancé, donc du coup on va partir sur le slash VIP. Le slash VIP plus, t'as vu, tu connais, on va pas faire un détail de ce que c'est. On a les petites clés, on va voir ce qu'on gagne. 64 redstone, c'est pourquoi pas un début. Qu'est-ce qu'on gagne à nouveau? Une pelle, solidité 4, ok. Et le dernier, ça va être, allez, 64 dirt. Oh, 10 000. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. 10 000, c'est toujours ça qui est bon. Donc logiquement, si on clique sur notre petite pouce, on est à 84 000 French Coins, parce que là, ils apparaissent pas, c'est un petit bug. Donc on va aller sur notre île, on a le fly, tout est bon. Et je voulais vous dire encore une dernière chose. Boum. Ah non, pardon, c'est pas ça ce qui fait peur. C'est ça, c'est qu'on est French. Ah, ok, bah j'ai mis... Yeah. Voilà, on est Skyco les gens. Skyco c'est un nouveau grade parce qu'en fait il y a des nouveaux grades qui en sont apparus. Comment je suis passé Skyco? Donc en gros on avait Skybird puis Skyco. Étant donné qu'on avait un certain nombre de points de French Coins ou de défis ou je ne sais plus trop quoi, bah en fait on a upgrade tout simplement. Donc voilà voilà. C'était la petite information du jour. Bon alors ce que je vous propose c'est qu'on essaie de récupérer rapidement tout ce qui est farm auto si c'est pas déjà fait. Non voilà, donc on va récupérer tout ça. On a quelques nouveaux défis, dont un qui est très intéressant les gens, puisque maintenant on va enfin pouvoir farmer la cacao. Et ouais, le cacao ça va mettre quand même bien. Alors attendez voir, donc French Sky Challenge, on va se débarrasser du cactus. Donc il nous faut également des os et de la chair putréfiée. Alors normalement on est censé en avoir là. Oula, on n'a pas des masses hein, dis donc hein. On n'en a pas des masses du tout même. Challenge os putréfié, bam. Et le prochain challenge, évidemment, le Skywolf a 2 millions de French Coins, ce qui est plutôt énorme hein, donc ça faut se le dire, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Enfin voilà, voilou. Ah, les yeux d'araignée aussi, est-ce qu'on a des yeux d'araignée? Des yeux d'araignée, non, on a quasiment rien. Ok, bon c'est pas grave, ok on est parti. Alors ce que je vous propose les amis, c'est que pour évidemment le cacao, on fera du bois de jungle. Je présume qu'on en a plus. Hey. Effectivement on a plus de bois de jungle. Donc ce qu'on va faire, on va se prendre une hache des familles là. On va se prendre laquelle? Efficacité 3, fortune 3 c'est 3, efficacité 5 c'est quand même la best. The best of the best. Et du coup on va farmer le bois de sapin. Pas trop le choix. Et on va poser les bois d'acajou à la place. Donc le bois de sapin on va le revendre. Parce qu'on en a vraiment pas besoin en fait. Tout simplement. On va s'acheter du bois d'acajou avec. Et on va aller commencer à faire un espèce de truc automatique. Pas réellement automatique, parce que voilà, je sais pas comment on pourrait faire pour replanter des trucs d'acajou de manière automatique. Mais j'ai quelque chose de sympa qui va peut-être nous aider. Voilà, ça c'est une petite invention que j'ai découvert sur le serveur. Donc j'espère qu'il m'en voudra pas de lui avoir piqué entre guillemets, puisque je lui ai demandé gentiment de visiter son île. J'ai découvert ça. Donc on va le reproduire. Voilà, voilà. C'est une petite usine qui rapporte pas mal. Donc le but de toute façon c'est de rapporter un max. La dernière fois, ah oui. C'est vrai que j'ai pas vraiment fait un débrief de l'autre épisode. On avait commencé à décorer cette petite île. Ça je le ferai plus tard. Parce que là maintenant, sachant qu'on a 2,5 millions de French Coins à accumuler, c'est plus juste 500 000 ou 1 million, c'est 2,5 millions. Donc c'est vrai que c'est plutôt énorme. Et là actuellement on a que 86 000. Donc voilà, donc faut se réveiller un petit peu. On a plus trop le temps de niaiser. Apparemment je peux aussi faire une machine pour farmer la neige. Donc je vais aussi faire ça. Le nether là en bas, bah va falloir que je farme bien aussi. Actuellement je crois qu'on avait fait, excusez-moi, c'est vraiment immonde, je me renifle dans mon micro, c'est vraiment swag de ouf. Je sais pas si on avait visité le nether ensemble, mais en tout cas là pour moi c'est encore le gros dawa. Donc j'en ai parlé un petit peu avec les administrateurs s'il y avait peut-être maybe evolution qui va arriver. Et oui actuellement, donc il y a un architecte qui travaille dessus, ils sont en train de retravailler sur le nether. Parce qu'avant bah, quand on allait dedans tout simplement, c'était une attaque de boule de feu vraiment énervée qui te sautait dessus parce que tout simplement alors t'as voir, il nous faut les pousses d'acajou. On n'a qu'une, c'est pas grave, on va acheter. On va acheter dit. Un, deux. Voilà, ça fait plaisir. Donc je disais. Oui, en fait, voilà, il y avait tellement
de Blade que voilà, c'était une pluie de feu assez incandescente, si tu veux mon avis. C'était assez costaud, faut se le dire. C'est vrai que ça faisait assez mal à essayer de supporter. Mais bon. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va pas aller dans le Nether, ça sert pas à grand chose parce que le farm du coup il nous paraît presque impossible. Et après quand c'est pas les Blaze, ben c'est les cochons du néant qui sont un petit peu collants. Soit parce que j'en ai tapé un une fois sans faire exprès, je vous jure. Je n'avais pas faim, j'avais pas envie de kebab, rien du tout, je l'ai tapé comme ça. Mais le mec en même temps il est passé dans mon dos comme ça, en scred, ni vu ni connu, moi j'en savais rien. Et voilà. Il y a un contact qui a eu Bezo, et c'est fini. Et c'est fini, à partir de là, ben, je pouvais plus rien faire. Là, bah voilà, ils ont essayé de tous me coller. Et c'est pas grave, maintenant on reste dans notre petite île, on n'a pas d'amis, on s'en sort très bien, y'a pas de soucis. Enfin voilà, bon, vas-y, on va arrêter de dire de la merde, on va terminer de farmer nos petits bois de sapin. Et on va commencer à faire notre machine à cacao. Donc évidemment, il va falloir beaucoup de pistons, il va falloir beaucoup de bois de cajou, il va falloir beaucoup de fèves de cacao. Je sais pas comment on aura tout ça, mais bon. Ce n'est point grave, les amis. On y arrive là. Et donc après, bah forcément, à un moment, là, la série, ça va être du gros format intense, hein. Il y aura pas, une fois qu'on aura toutes nos usines, pour essayer d'avoir le Graal final, hein, à moins qu'il y ait des évolutions, encore une fois, constantes sur le serveur, je ne sais pas encore, on verra. Mais pour le moment, on crée le maximum de machines à mob possible, de machines à farm, pour avoir du French Coin. Si vous avez des solutions, des astuces à proposer également, je suis preneur. Donc n'hésitez pas à vous manifester également en commentaire, ça me ferait très très plaisir d'avoir ces petits conseils. Bon alors, on va vendre tout ça, et voilà, bim badaboum, 418, on en a vendu sur 6, donc c'est quand même pas mal. Normalement, on est censé avoir des os qui traînent quelque part. Poudre d'eau, voilà, c'est ça ce que je voulais. Allez, pousse, et toi, si tu pousses, dis, vas-y, donne tout ce que tu as, c'est bien. Voilà, bon, bah du coup, on va former ça, y a pas trop le choix. Allez, en avant la niaiserie. Ah. Moi je me souviens d'une époque où il y avait un malabou qui était là, qui malaboutait le bois comme ça d'une vitesse. En un coup de bois, il faisait tomber les arbres. Ça c'était une bonne vieille série. Avec le mode Timberjack, je crois. C'était vraiment pas mal du tout. Dans la série Man for Dead, tu venais en bas de l'arbre, tu bûchais un coup, boum, l'arbre qui tombait entièrement. C'était pratique ça, c'était pratique. Une économie de temps et d'énergie, je vous dis. On se croyait être Chuck Norris, il y avait vraiment pas photo. Ça faisait tellement du bien. Tu vois, l'arbre qui tombait en 2-2. Et là, maintenant, ben voilà. C'est... Bon, on a quand même une hache efficacité 5. On va pas pleurer non plus. Hein. C'est vrai que ça sauve pas mal des vies aussi. Mais bon. C'est vrai qu'en record, voir seulement ça, c'est vrai que c'est pas forcément la chose la plus intéressante du monde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a en bloc en rab? Oui, on a 52 bois de sapin. Donc on va les prendre. Et on va se faire. Alors, déjà un stack. Voilà. Et avec le reste. Des planches, nickel, et en plus on va vendre le stack. Boum, allez, comment on se fait de l'argent gratuitement? Bim, oh, ok. Alors, ce que je propose, c'est que on se fasse. On pourrait faire la cajou ici, ou alors vous voulez le faire au centre de l'île. Boum, parce que ça sera en fait deux gros murs épais. C'est pas très joli, mais bon, il faut faire avec. Hein. Sinon, on peut le faire là, quelque chose comme ça, tu vois, t'as tranquillement. Plus un peu d'espace, ça peut être sympa, dit. Ou bien sinon, là, je passe ça très très beau. Ou alors là, on fait un truc genre une petite déco tranquille. Ouais, mais il y a les îles là à côté. Ah, c'est chiant, dit. Ok, où est-ce qu'on peut faire ça? Alors attendez, je suis vraiment désolé. Hein, ça me dépite un petit peu de devoir faire chier autant pour si peu. Mais bon, ou alors sinon on fait un grand mur, on fera une déco ici, mi-jungle, mi-truc. Ok, je crois que j'ai une idée. C'est quoi, c'est des araignées ce qu'il y a là, qui traînent en bas? Effectivement. Bah dès qu'il faut y aller, hein. Pas le temps de niaiser, hein. Ok. Bon. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Tac, tac. On va partir comme ça. Alors, faut falloir réfléchir les gens, parce que là, ça va pas être facile. Donc, logiquement, si on casse nos fèves de cacao... Elles vont toutes tomber dans une rangée d'entonnoirs. Bam, 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 bam. On fait une rangée d'entonnoirs qui vont descendre là dans des double coffres. Ou alors, on fait nos doubles coffres ici. 1, 2, 1, 2. On va faire des doubles coffres par là. 2, 3. Le bois de sapin, on va le remplacer plus tard, vous inquiétez pas. Donc là, t'as le
Premier double coffre. L'entonnoir. Deuxième. L'entonnoir. La rangée d'entonnoir. Cette rangée a l'air de faire peur, tu vois, genre, elle rigole pas. Ça sera notre rangée d'entonnoir, logiquement, ça devrait fonctionner assez facilement, assez bien, avec lequel on mettra de l'eau par-dessus. Ça devrait être cool, les gens, ça devrait être cool. Je vous dis, ça devrait être sympa. Et maintenant qu'on a fait tout ça, boum, balaboum. On n'a pas assez de bois, mais c'est pas grave. On va poser du bois d'acajou en blinde, parce qu'on n'a pas le choix. We got no choice, guys, we got no choice. Et maintenant, c'est ça, en fait, c'est juste, en fait, faire un mur, mais balèze de ouf en hauteur. Sur lequel on va pouvoir farmer, mais genre abusément, la fève de cacao. Sauf que, en fait, le petit problème qui va se poser, enfin, c'est pas un problème, non, y a pas de problème, excusez-moi. Comment on va faire pour pouvoir farmer autant dessus, vous me direz? Bah, tout en haut, on va mettre des pistons en fait orientés vers le bas avec de l'eau. Et en activant tout simplement une petite touche, une petite touche magique, bah, les pistons s'ouvriront à nous. Voilà, tout simplement. Bon, par contre, évidemment, là c'est encore très très bas. Moi je veux quelque chose de haut, de fat, d'énorme, qui nous rapporte vraiment beaucoup. Je veux être heureux, je veux avoir beaucoup de fèves de cacao. Là, les fèves de cacao rapportent combien déjà? Que je regarde. 46 French coins les 16. Ok, donc c'est quand même intéressant. On va pas cracher dessus, les gens, on va pas cracher dessus. Donc voilà, c'est parti. On va fermer le deuxième arbre. Et les gens, on donne tout là, on donne tout. Oh là là. Bon bah du coup je suis désolé, j'ai pas commenté un arbre qui se coupe, hein. On va garder un silence et une petite musique d'ascenseur qui fait plaisir. D'ailleurs je crois que vous êtes nombreux à aimer ces petites musiques. Vous demandez souvent les noms et d'ailleurs je tiens à vous répondre donc là maintenant. Alors en fait c'est des musiques libres de droit que j'ai chopé sur un site internet que j'ai accès pas en VIP, mais j'y ai accès. Je peux prendre les musiques gratuitement en soi parce que en gros c'est mon partenaire qui me le permet, mon network en outre. Et donc du coup si vous voulez avoir les musiques, ça sera sûrement payant déjà de 1. Et les musiques que j'ai n'ont pas réellement de titre. Genre si vous voulez c'est genre il y a juste écrit Tropical Feeling, tu vois, un truc dans le genre dessus, c'est tout. Donc voilà, je sais pas trop comment je peux vous aider plus que ça. Pas trop je pense, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je sais pas trop comment je peux vous aider pour donner un titre ou que ce soit. Il y en a pas en fait, il y a pas réellement de titre. Donc voilà, c'était juste pour votre culture G, votre information. Parce qu'il y en a qui sont un peu en panique, je vois à chaque vidéo qui me demandent, qui me spam et qui aimeraient savoir un peu, genre justement, quel est ce titre de cette douce musique. Mais bon. Malheureusement, je n'ai pas le titre de cette douce musique. Voilà, donc là, on va monter aussi. Tac, tac. On pourra le fermer. Donc, comprenez-vous, les gens, vous voyez là, on a déjà fini de poser un petit peu nos différents trucs, et voilà, ça va prendre du temps quoi à faire pousser en grand. Par contre, on sent vraiment pas beaucoup de pousses d'acajou, hein. c'est un peu de l'abus, je trouve. Comment ça se fait? On sent qu'on soit que dalle. On en a reçu 4 pour 2 arbres. Bon, après, tu me diras, il y a encore des trucs qui volent là, mais bon, faut pas abuser, hein. Faut pas pousser même dans les orties. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait là? Allez, on y retourne, c'est reparti pour farmer. Ah oui, alors d'ailleurs ça, je pense que normalement j'ai pas fait de nouveauté, mais voilà, c'est juste histoire de vous montrer à nouveau un petit peu la déco, qui est quand même sympa. Ça vous donne des idées un peu de farm pour votre machine à mob. La mienne est quand même conséquente, dans le sens ça fait 4 de haut, c'est du bois de sapin, donc sombre. Avec le bois de sapin en haut, je trouve ça assez naturel. Le petit dégradé ici, à chaque fois qu'il fait pas un gros cube compact, et au lieu de faire plein de feuillage tout autour en mode c'est un arbre énorme les gens, c'est vrai, je vous jure. Ben là au moins vous avez peut-être plus l'idée d'une petite île au-dessus, ça peut être sympa. Parce que je vois souvent des machines à mobs où il y a des gens, ils les recouvrent de feuilles. C'est mignon, franchement, je vous aime bien. Mais on n'y croit pas. On peut pas réellement y croire, les gens. On peut pas réellement y croire parce qu'un arbre comme ça n'existe pas. Surtout des feuilles carrées, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu peux pas faire un gros cube de feuilles tout autour. Enfin bon. Donc voilà, après moi, évidemment, ça n'existe pas non plus, hein, dans la logique des choses. Mais je préfère déjà un design comme ça que voilà, un packaging de feuilles tout autour. Voilà. Donc j'espère vous avoir aidé avec cette petite idée déco, et puis j'essaierai d'en faire encore d'autres par la suite. Parce qu'évidemment, une fois qu'on aura, on aura toutes nos machines à farm, il n'y aura plus grand chose à faire, il faudra juste les décorer en fait, c'est ça. Donc là pour le moment on les optimise comme on peut, j'essaye d'optimiser comme je peux, parce que je suis pas très doué là-dedans, mais voilà, je crois qu'on s'en sort pas trop mal pour le moment quand même. Même s'il y a des meilleures façons d'optimiser, j'en suis sûr. On s'en sort pas trop mal, mais bon.
On les décorera par la suite, parce que ça c'est un peu plus mon talent, si vous voyez ce que je veux dire. Bon là par contre tu vois, j'en ai qu'une pouce, comment ça se fait? Là il y en a une, là il y en a... Oh boum, 4, ça c'est fait. Ça fait plaisir. Là tu fais pousser d'un coup. Là, on a 64. Enfin voilà les gens, donc ça c'était un petit peu pour donner une idée. Je farmerai le bois en votre absence, histoire que voilà, ce soit pas trop gnangnan, un peu trop chiant, un peu trop long. Voilà, tac 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 tac. Ouais, ça va coûter cher en bois, ça va coûter très cher en bois. Hein. Mais bon, c'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, vive mes proverbes, je trouve qu'ils sont toujours super. Ouais. Tac tac tac. Normalement, ça s'en sert à importer pas mal d'argent. On verra déjà. Mais bon, ça devrait être sympa. Ça devrait être fort sympathique. Voilà. Donc ça devrait être quelque chose dans le genre. Et puis là, les gens, vous inquiétez pas. Il y aura tout un talent artistique derrière qui fera que ça sera vraiment super beau. Un mélange entre la jungle et le nether. Boum. Vous serez épaté. Vous serez épaté. Voilà. Enfin, voilà les amis. Écoutez, ce que je propose. Est-ce qu'on se laisse déjà là ou pas? Pas combien de temps je record en fait. Allez, ce que je propose c'est qu'on découpe cette dernière arbre ensemble, qu'on pose ce truc ensemble, et ensuite on se laissera là, tranquillement, sans pression. J'ai l'impression qu'il y a des blocs de bois qui ont traîné un petit peu là-haut, un peu par-ci par-là. Attention, faut bien que je récolte tout parce que sinon c'est pas très rentable. Voilà. Cette hache nous sauve quand même bien la vie les amis. Hein. Ça nous met bien, ça nous met bien. Allez. Oh merde, j'avais un café sur le bureau, j'ai oublié de le boire. Attendez. Ah, ça fait du bien. Ça réveille, ça réveille, ça réveille. Oui, bah oui, parce qu'on est le matin. On est vendredi matin actuellement. Et en ce moment, j'aime bien record le jour J et vous poster ça l'après-midi. Comme ça, on a un réel contact rapide et humain et vivant. Voilà, voilà, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, bonne rentrée, bonne reprise. Hein. Courage, les amis. C'est que l'école, travaillez bien, c'est important. Et voili voilou. Bon alors là logiquement normalement je crois que j'ai tout récupéré. Pas que tu dises de bêtises. J'ai l'impression que oui. Là j'ai l'impression qu'il y a un bois qui traîne, on était sûr. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui traîne? Ouais, il y en a deux. Avec les shaders c'est pas facile de voir quelque chose hein, je vous avoue. Même vous je suis sûr que vous voyez rien. Voilà, parfait. Donc là maintenant on va juste finir de poser ces petits bois. Et je peux vous dire qu'on en est loin encore parce que le truc va vraiment falloir qu'il monte très très haut. On va faire quelque chose de vraiment très très haut. Donc là pour moi c'est pas rentable. Enfin si, il y a forcément une rente puisque maintenant on va gagner des sous. Et ça nous a pas coûté des masses et sur le long terme c'est forcément rentable. Mais. Ah non. Give me the bois d'acajou. Voilà, quelque chose comme ça. Okay. Et on termine. Et voilà, voilà. Bon, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans le prochain épisode pour sûrement continuer cette machine qui aura certainement très bien avancé en hors antenne. Histoire qu'on voit un petit peu la rente qui sera à notre disposition. Voilà, tout simplement. Et d'ici, les amis, donc portez-vous bien. Je vous fais la bise, de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.